On se retrouve à l'aéroport. 10h45 et notre vol est à 13h20. 23 kilos tout pile. Mon bagage à main, il est à zéro. J'ai un problème. On n'a pas pu enregistrer notre deuxième vol parce qu'on s'arrête à Londres et du coup ça a bloqué. Donc on va redevoir repasser un check-in directement quand on arrive à Londres. Donc un peu relou, mais heureusement je crois que nos bagages arrivent directement à Orlando si tout va bien. Il reste 4 heures de vol. En plus c'est un vol de journée, du coup j'en joue de force. Me force à pas dormir. Comme ça quand j'arrive je suis vraiment fatiguée. Je vous ai pas dit. C'était une galère à Londres parce qu'il y avait un problème sur notre billet. On n'arrivait pas à sortir notre carte d'embarquement. Un truc de fou. Okay. Il y a des turbulences. Attends, on fait un petit unboxing. Là il y a un sandwich mozzarella. D'ailleurs aussi je regarde Hunger Games. Hunger Games. Je ne savais pas à quel point j'étais fan de ce film quand j'étais petite. C'est officiel, je suis sur le sol américain. Genre là, j'ai fait mon premier pipi sur le sol américain. Tout s'est bien passé, on a passé la douane, on a récupéré les bagages hyper rapidement, donc trop cool. Et là, on récupère juste la voiture et après direction les villas. Ok, il est 22h40 et on vient d'arriver aux villas. La villa. Vas-y, présentation. 1, 2, 3. Donc moi, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et je suis en Dukes. J'ai la chance d'avoir intégré la villa des coachs pour cette semaine de compétition. Je m'appelle Lisa. Pas méchant. J'ai la chance d'avoir intégré la superbe villa des coachs avec mes coachs préférés. Donc ça fait 24 heures. Du coup, la douche et de l'eau. Day one. Lévi m'a réveillé à 4h. À 4h. Elle m'a escaladé, c'était génial. Et j'ai cru que c'était un chat. Donc déjà, le jet lag, il nous a flingué, je pense. Parce qu'à 6h, on était debout et en forme. Pour nous préparer. Pancake, mais bon. Tu t'es volé tout notre bout de banane. Ah oui, ma belle, t'inquiète, je voulais que la moitié, c'est pour ça que j'ai. Mais le soleil, mais la Ah, je, ma belle, je me sens. On va qu'il a vu ma story et en fait, oui. Je vais dire. Les Gatorade. Ouais. Donc là, on n'a pas encore acheté parce que je veux éviter tout gâchis. I am dead. La chaleur il y a 2 ans. 8h du matin, il fait 45 degrés. On va mettre la bande. Et puis à la place des pneus, on va mettre des pompons parce que c'est des cheerleaders. Alors. On monte tout en haut pour pouvoir voir Dukes et voir toutes les formations. Ils sont. Attendez. Les armes roulent. Mettez-vous les lignes des derniers rôles. Gardez vos bras collés tout le temps. Dès que vous revenez de la roulade avant, collez vos bras. Mais un point à deux, un pas de moins. Juste un pas de moins.
pour le vlog d'Alia. C'est le vlog d'Alia, ça? Oui. Full out. Premier full out de la journée, il est 15h26, sûrement le dernier. Allez les enfants! Ouais! Let's go! La soirée, mais là il faut absolument que j'aille me doucher. On est parti à Walmart, en fait on a eu entraînement. En gros ce matin on est rentré de l'entraînement. On est parti rapidement au Starbucks et tout. On est parti rapidement au Starbucks. Et ensuite, petit entraînement bon, dehors. Et on a fini vers 20h. Et directement après, bon, j'avais besoin d'acheter des shampoings. Du coup je suis partie à Walmart et j'ai acheté des shampoings. Ces shampoings là, bon, je les avais vus. Donc là j'ai pris un scrub parce que j'en avais plus déjà. Et là du coup j'ai pris shampoing et après shampoing. En fait, tu me nourris. Hier, elle m'a fait des pâtes. Ah mais oui, j'avoue. Hier matin, j'ai mangé les pancakes de Sophie. Regardez les filles, j'ai plus d'oreilles. Oh purée, elle a plus d'oreilles. Non, mais aïe, j'ai la peur. Laisse les oreilles. Ouais. Je suis chaude le matin, là. Nouveau personnage qui arrive. Il est là-bas. Attends, je mettrai là. C'est le mec avec la casquette. Three, four, five, seven, and one, two, three.
on a fini l'entraînement. C'est ça le projet? Oui, oui, c'est le projet. Ah, bon, du coup, là, on vient de rentrer au villa. Il est 15h. On va manger et tout. Et après, on retourne au football field pour 17h. Donc, on va partir vers 16h45. Donc, en vrai, on a à peu près une heure. Oh, j'espère qu'il ne va pas faire trop chaud au football field. Normalement, on y va de 17h à 19h. Donc, en vrai, ça devrait aller. Je pense qu'on va éviter un peu les coups de soleil et tout. Et là, il est exactement 23h45, là, je viens de prendre ma douche et je vais pas tarder à aller dormir. On a fait une petite soirée vidéo, les vidéos des proches des athlètes. Et après, on a regardé donc tous les full out. Et François, Dax et Léana qui sont arrivés. Ah, donc, ça, trop cool. Demain, c'est notre dernière journée d'entraînement. Donc, c'est passé trop vite. Genre, ça veut dire que demain, quand on va se réveiller, on va pouvoir dire demain, on passe. Je me dis, mais oh my god, genre, c'est bientôt fini. Alors que ça vient à peine de commencer, quoi. Le matin, on a entraînement, du coup, au même gymnase. Unite, et l'après-midi on a un open practice, donc c'est vraiment en condition réelle comme si c'était le jour J. Je me suis rendu compte là, tout à l'heure, que j'avais pas envoyé un devoir lundi. Du coup je pense que je vais aussi essayer de faire ça demain. Enfin je sais même pas si j'aurai la foi ou si je vais même me rappeler. Je vous retrouve demain pour la dernière journée d'entraînement de Dukes pour les semis 2024 en Floride, donc à Orlando. C'est trop cool. Bonne nuit et à demain. On se retrouve de très très bonne heure. Bisous.